de 5.40p et qui pouvait pas surfer aux chiottes à moins d'être vraiment, mais vraiment organisé. Avant Facebook et YouTube, où tu passes la moitié de tes journées, les gens allaient sur d'autres sites, comme par exemple, numéro 5, Mega Vidéo, l'ancien Netflix. Comme Netflix donc, mais avec beaucoup de VF, des sous-titres approximatifs, des pubs bizarres, et tu pouvais regarder que 50 minutes, sinon on t'envoyait un message à la con qui disait que tu pouvais plus regarder, et c'était souvent au milieu d'un épisode. Alors tu pouvais aussi payer. Oui, ils ont inventé le service de streaming illégal. On pouvait acheter au moins à l'année et même à vie. Je connais même un mec qui a acheté une licence à vie à 200 balles, et un mois après, le site a fermé. Prenons quelques secondes pour bien se foutre de sa gueule. Numéro 4, Rotten, l'ancien Deep Web. Tous les collégiens des années 2000 ont profité d'un mercredi après-midi sans les parents pour aller regarder ce site où on pouvait aller voir des photos hardcore de meurtres, de mutilations, de snuff movies. Il y avait tous les trucs crado qu'on pouvait imaginer et au final, on se doute bien que maintenant, toutes ces photos c'était que des fakes, voire des bouts de films d'horreur, mais à l'époque, on avait l'impression d'être des hors-la-loi et que la police allait venir taper chez nous. Il existe encore d'ailleurs ce site et on se rend compte que ce qui pouvait nous faire peur il y a 15 ans est loin de nous faire aussi peur que la connerie des gens en 2017. Numéro 3, MySpace, l'ancien Facebook. Premier réseau social mondial, MySpace était le truc le plus hype du monde en 2007. On se rappelle bien sûr de Tom, le créateur du site qui devenait ton premier ami quand tu créais ton compte. Le site a été créé en 2003, il est rapidement devenu énorme, devenant même le quatrième site le plus visité au monde devant eBay. Et c'est là que Tom il a été malin. Pile au moment de la hype, il a revendu son truc pour 500 millions de dollars à un type qui s'appelait Murdoch. Le même Murdoch s'est fait bouffer la gueule par Facebook et il a revendu MySpace pour 16 fois moins de pognon en 2011. Si Tom vous ment, vous pouvez suivre son Instagram où on peut le voir voyager en dépensant notre pognon. Numéro 2, qui était l'ancien YouTube. Oui, il était là avant YouTube et avant Vine. Si vous voulez voir des petites vidéos bien nulles, on allait sur... Bon, finalement, c'était que des gros faits, mais à l'époque, il n'y avait pas de compil. On devait se les taper un par un, attendre qu'ils chargent bien longtemps, et surtout, à chaque fois, avant que ça démarre, on entendait... Et c'est vrai que c'était toujours stupide, et que c'était toujours des vidéos. C'était le site le plus clair sur ce qu'ils faisaient. Porn.com aussi, c'est assez clair. Il y a peu de conférences sur les Inuits, comme beaucoup de... et de... Numéro 1, Lycos, l'ancien Google. Un des premiers sites internet à avoir fait de la pub à la télé. Vous remarquerez d'ailleurs qu'à l'époque, les recherches étaient assez peu précises. Tu tapais juste voyage et bim, tu trouvais ton bonheur. Dans la pub, Lycos était un chien, parce qu'il allait chercher. C'était malin comme concept. À l'époque, on pensait encore qu'on pourrait lutter face à Google. Depuis, ils sont devenus le seul moteur de recherche connu. Ils sont plus riches que des pays. Ils fabriquent des robots mutants. Et là, d'ailleurs, tout de suite, ils sont en train de t'observer, donc arrête de faire ce que tu fais. C'est dégueulasse. Voilà, bien sûr, il y en a d'autres et n'hésite pas à les partager dans les commentaires. D'ailleurs, on sait que c'est souvent les plus jeunes qui commentent sur YouTube, mais on a vu les statistiques et on sait qu'on a des gens de 30, 40, 50 ans et plus qui regardent la chaîne. Alors les vieux,